Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, l'Église célèbre dans la joie, dans l'allégresse, la visitation de la Vierge Marie, celle qui a cru, celle qui a gardé les paroles du Seigneur, les paroles de Dieu dans son cœur. Au seuil de cette célébration eucharistique, sœurs et frères, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oui.
Saint-Esprit-Saint, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi et tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est à toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est à toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume. Alors, le cantique Isaïe 12, suivant, le chapitre 2 suivant. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance, plus de crainte pour moi, car le Seigneur est ma force et mon chant, je lui dois le salut. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses refaits, rappelez que sublime est son nom. J'aurai pour le Seigneur. Le Seigneur est grand au milieu de toi, car il a fait éclater sa grandeur. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Levez-vous pour acclamation. Tu as cru que s'accomplirait pour toi la parole reçue du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er, verset 39 au verset 56. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Ton amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia! Alléluia! Sœurs et frères bien-aimés, nous célébrons dans la joie. L'Église, notre mère, célèbre dans la joie et l'allégresse la visitation de la Vierge Marie. La visitation de la Vierge Marie, c'est la mystérieuse rencontre de deux mères, celle qui a porté le Sauveur, celle qui a porté le Messie, qui est la Vierge Marie, et celle qui a enfanté Jean-Baptiste, qui est Élisabeth. La rencontre entre Marie et Élisabeth. Marie rendit visite à sa cousine Élisabeth. Et le texte nous dit, Marie, elle porte en elle l'esprit du Seigneur, car elle a communiqué l'esprit à Élisabeth. Oui, sœur Akfremio, célébration, visitation, hein? C'est rencontre ça, rencontre Marie à cousine Élisabeth. Marie, salutation, Marie. Je dis nous que, petite que Élisabeth portait, qui c'est Jean-Baptiste, petite l'an sauté, pompé de joie, et l'Esprit, bon Dieu, envahit Élisabeth. Donc, nous comprenons tout que, donc Marie, il n'est pas seulement porté sauveur dans lui, mais l'Esprit, bon Dieu, dans lui. Et nous songeons tout, en dedans, avant visitation, hein, c'était d'abord l'Annonciation. Donc, l'ange Gabriel qui a annoncé à Marie que la vie de maman sauveur. Et donc, Marie, c'est sous la mouvance de l'Esprit Saint, remplie et de l'Esprit Saint. Donc, ça fait nous comprendre tout que Marie,
pendant qu'on a célébré la visitation, l'Église a tout présenté nous. Marie qui est la mère du Sauveur, mais en même temps qui est le modèle de service. Marie n'a pas gardé sous ça que lié, sous ça que le représenter, mais pour le mettre au service de l'autre. Marie, elle est également modèle de celle qui a cru, modèle de celle qui a gardé les secrets, les paroles de Dieu dans son cœur. Marie, c'est modèle celle-là qui kembe parole bon Dieu, qui garde parole bon Dieu dans cœur, li c'est modèle de celle-là tout qui mettait dans service l'autre. Donc, Sœur Marc Frémio, c'est à juste titre que la Vierge Marie nous dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car elle est celle qui a cru, elle est celle qui a porté le Sauveur, le Seigneur, le Messie dans son cœur. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous qui sommes rassemblés ici, nous pouvons dire ensemble, avec la Vierge Marie, ce Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Donc, sœurs et frères bien-aimés, mettons-nous à l'école de notre mère, à l'école de la Vierge, pour que nous puissions, nous aussi, des servants et des serviteurs du Seigneur, car Marie, elle est modèle de service. Amen. Thank you.
ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu as aimé, Seigneur, l'empressement de la Vierge Marie. Accepte aussi avec bonté le sacrifice que nous offrons pour notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à toute la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi, adore ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale, des défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. D'Espagne, Ecclésiaste, Florence, Déracan, Huguette, Joseph, Jonathan, Chirip, Lundi, Océane, Miquette, Charles, Miracle, Murland, Télémoc, Patricia, Mérilan, Prisca, Delva, Tania, Alexis, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui ont recommandé cette trentaine de prières à la Vierge Marie. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui ont recommandé cette messe. Nous implorons ta bonté sur les fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs, les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Nous implorons ta bonté sur Junie Joseph, sur Stacy Constant. Nous implorons ta bonté sur le curé de la paroisse, Père Francky Désir. Nous implorons ta bonté sur chaque fidèle ici rassemblé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Visitation, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne veux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Appelez-nous pour nous venger.
Prions ensemble le Seigneur. Que ton Église te magnifie, Seigneur, pour tant de merveilles. Comme Jean-Baptiste a tressailli l'allégresse en discernant le Christ avant sa naissance, qu'elle accueille avec joie dans l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous voulons souhaiter de joyeux anniversaires à ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire. Donc si quelqu'un qui a célébré jeudi n'a pas avancé, pour nous capables de continuer la prière avec nous et pour nous, et souhaitez-nous de joyeux anniversaires. Donc nous disons merci à vous qui avez participé, vous qui êtes ici, mais vous qui participez par le biais de la radio, télévision, Altagrâce, merci à chacun et chacune de vous ici présents. Nous souhaitons de joyeux anniversaires à Despaille, Ecclésias, Florence Derac, Huguette Joseph, Jonathan Philippe, Lundi, Océanie, Miguette Charles Miracle, Murlan Télémac, Patricia Mérilan, Prisca Delva, Tania Alexis et... Si vous avez une assemblée qui a fait un événement dans la ville, vous avez approché de l'hôtel là pour nous chanter, pour nous bénir. Merci. Ces derniers jours dans le mois de mai. Donc, c'est également la clôture de la trentaine à la Vierge. Donc, nous disons merci aux dévots de la Vierge, à vous qui avez participé, qui avez recommandé la messe pour le mois de mai, le mois de Marie. Et à nous camper pour nous capables de faire la prière, mois de Maria. La Sainte Vierge Marie. Portez-nous secours. Maman Jésus, sauveur-nous, ô même médiatrice toute la grâce, mais nous-mêmes, pitié tout qui venez dans la prière pour nous vénérer, et puis supplier dans un temps difficile, ça y est, nous vivons. Nous connaissons aussi une bonne maman qui proche toute pitié tout qui connaît les problèmes. Et puis qui toujours prêt pour aider yo. Portez-nous secours dans l'épreuve nous yo. Nous sentis la vie nous en danger, famille nous en danger, pays nous en danger. Maman, nous sentis nous pas capables encore. Tant prie fait qui choye pour nous, ensemble à toute l'autre petite tout yo qui besoin secours. Fais monde qui a fait mal, monde qui n'a mauvais chemin, prends chemin conversion. Et des monde qui a fait bien, joignent plus la grâce pour continuer à faire bien. Et des nous vivre dans la paix, dans la paix, dans le partage, Jean bon Dieu là. Et puis aidez nous mettez tête nous ensemble. Pour nous reconstruire pays, nous.
Maman Marie, ou même qui c'est maman délivrance, t'en prie pour tes délivrances pour nous, à pour pays nous. Ou même qui c'est maman la grâce, t'en prie, fais-nous joindre la grâce dans ma prière. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous, sœurs et frères bien-aimés, à vous, Père Séraphin, aux choristes, aux musiciens, à notre lectrice, aux techniciens de RTA, et à chacun et chacune de vous, je souhaite une agréable journée. Merci mon Père, à vous de même. Merci beaucoup.